Salut, salut, je suis ici avec Aline Lucini et je suis très 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 heureuse d'être ici. On est à Toulouse où Aline habite et alors c'est très spécial pour moi d'être ici. Je suis vraiment ravie parce qu'elle m'a fait connaître la ville où elle habite, ça fait un an. Et tu es arrivée, tu es restée plutôt à la maison pendant un temps? Pendant un mois, oui. Et après, comme je t'ai raconté, j'ai cherché l'église catholique et j'ai mis au prix pour faire un bénévolat. Alors, ce qui m'intéresse justement dans cette histoire, est-ce que tu es quelqu'un qui n'est pas resté installé dans la sensation de l'étrangeté? Tu as cherché quelque chose qui était important pour toi. Tu m'as raconté aujourd'hui aussi qu'il y a 2 mois, tu as trouvé un boulot, un autre boulot qui est plutôt dans le domaine de ta formation. Alors, raconte un peu ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu as trouvé comme boulot maintenant? J'ai étudié l'architecture et l'urbanisme aussi. Mm-hmm. Et quand j'arrivais ici, j'ai pensé que ça va m'être pris un an ou deux pour commencer à travailler dans mon métier. Mais non, je m'ai trompée. J'ai essayé de chercher quelque chose avec 7 mois après que j'étais ici. Et un mois après que j'étais en train de chercher, j'ai trouvé un truc, la première entretien. Et après la première, la deuxième, j'ai réussi. Donc maintenant, j'ai travaillé avec Space Design. Dans une entreprise très connue en France et qui s'appelle Sodexo, il y a aussi au Brésil. Et comment a été ta réception au boulot? Tu penses que le fait que tu parles français maintenant, ça t'a permis d'avoir ce boulot et d'être mieux reçu au travail? Oui, bien sûr. Mais même si je ne parlais pas parfaitement, la personne, elle perçoit qu'on fait l'effort pour parler mieux et chaque jour. Et on est un peu distance entre et on apprend vraiment la langue française. Il essaie pas de parler par exemple l'anglais. Donc ça fait beaucoup de différence, je pense, pour eux. Et c'est ça, ouais. Excellent. Quelle est la différence pour toi après être devenue une activatrice? Qu'est-ce que tu as senti de différence? J'ai senti que j'ai trouvé les chemins pour connaître mieux la langue. Donc avant, j'étais un peu perdue. Même si j'ai cherché, je vais apprendre par exemple les verbes, ou je vais apprendre les expressions, ou la construction de la phrase, ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas une direction, un schéma, c'est ça. Dis-moi, tu m'as présenté aujourd'hui Toulouse. D'ailleurs, on est ici dans une pizzeria très très bonne. Ouais. Et quel est ton endroit préféré à Toulouse? Tu penses que c'est cette place, Bon, je pense que c'est l'église Saint-Sernin, oui. Ah, l'église Saint-Sernin. J'aime chaque détail de cette église, oui. En tout cas, c'était un plaisir. Et tu es ma première activatrice que j'interviewe en France. Merci. Spécifiquement. Et c'est excellent de te voir vraiment. C'est juste le début. Ça fait un an que tu es là. Maintenant, tu as un boulot, tu as une vie ici. Et je suis sûre que c'est le début d'une grande histoire avec le français, la France, etc. Bravo, vraiment. Merci, merci, j'espère que vous aurez aimé. Ciao, ciao.